Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un an, j'ai fait une vidéo comment apprendre à voler en parapente en 3 jours et depuis, j'ai ultra tryhard. Et pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de pouvoir décoller de certains sommets à plus de 4000 mètres dans les Alpes. Parce que ne l'oubliez pas, ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, il y a une série en cours, faire les 82 sommets à plus de 4000 mètres et d'en faire une vidéo pour un peu les référencer et montrer surtout la beauté de ces montagnes. Il n'y a pas que le Mont Blanc, hein. Je vois beaucoup de gens qui le font, je vous assure que il y a des trucs tellement plus beaux à côté et pas loin. Donc pour le parapente, j'ai filmé mes 45 vols depuis un an. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. J'en ai sélectionné 3 qui m'ont particulièrement marqué parce qu'ils sont totalement incroyables. Un premier coucher de soleil insane, franchement magnifique. Un deuxième où je commence les thermiques, j'arrive à faire plus d'une heure de vol. Et le troisième, un vol au-dessus de la mer de glace en décollant à plus de 3800 mètres. Incroyable, mais avec un petit raté. Comme quoi, quand on débute, on arrive quand même à se cracher. Mais bon, je vous souhaite pas trop. On commence par le premier, déco à 2000 mètres, proche de la Tournette à Annecy. C'était, mais vraiment, d'une beauté incroyable. Attends. Ouais, j'ai vu. Allez. Voilà. Allez, go. Oh, il était trop bien ce vol, hein? Trop stylé. Ah ouais, ouais. Franchement, depuis que j'ai déménagé à Annecy, c'est vraiment le pur kiff de pouvoir vivre ça à moins de 30 minutes de chez soi. Insane le vol, comme on peut le voir, j'étais totalement hystérique, c'était... Mais trop beau. On va parler maintenant du deuxième vol, donc j'ai commencé les thermiques, c'était mon 31e vol. Franchement, j'étais un peu couillu ce jour-là de décoller à la Forcla. Mais bon, tout y est. Le lac, magnifique. Une heure de vol. Mon objectif, du coup, c'est de décoller de la Forcla, monter le plus haut possible, rejoindre le Lanfonnet et peut-être les Dents de l'Enfant, mais bon, voilà, et d'aller atterrir à Planfait, pour ceux qui connaissent. C'est un tour plutôt classique, mais c'était la première fois que je le faisais, la première fois que je le tentais, et franchement, il y avait juste trop de parapentes en l'air. On était au moins une centaine, c'était un vrai bordel. Mais bon, faut s'entraîner à tout, donc c'était trop beau, insane, en plein été, 5 jours avant la Guyane. Ça veut pas monter là. Oh. On va aller
Moi je vais à plan fait, c'est Nico, je vais essayer. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, avec les potes, on peut parler à la radio, ça c'est plutôt pratique. Et là, je leur dis qu'en gros, je vais essayer de rejoindre une autre montagne en face de moi en faisant une traversée et atterrir à plan fait après. Je vais vers le Lanfonnet finalement, on va voir si je raccroche et après je vais à plan. Première traversée jusqu'en Lanfonnet. Je suis au Lanfonnet. Ok, je vois le orange. Ah non, blanc. Ok, c'est bon, je vois. Devant toi, il y a le volant. Bon, du coup, là, j'essaie de rejoindre le Lanfonnet. Comme vous voyez, ça ressemble un peu une dent. J'essaie de m'accrocher à la gencive, mais j'y arrive pas. Je porte pas mes couilles sur le cou. Du coup, je vais m'échapper sur la gauche, rejoindre mes potes, passer au-dessus de l'autre déco qui s'appelle Plan Fait à Annecy, et je vais atterrir tranquillement. Mais punaise, quel vol de fou. Une heure, hein. Une heure, les gens. Bon, on passe au dernier vol. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous motive vraiment à découvrir le parapente, parce que personnellement, je le vois. Je fais des live Twitch de ces vols très souvent, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Mais je décolle très souvent de la Forcla avec des petits lives. Là, dernièrement, j'en ai fait un nouveau avec la toute nouvelle voile que j'ai acheté une monosurface. Et là, on va parler du vol que j'ai préféré, moi en tout cas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, c'est lequel que vous avez préféré des trois. Déco de l'aiguille du midi à Chamonix, 3800 mètres. Première fois que je décolle depuis la neige, j'avais pas volé depuis 2 mois parce que je revenais de Guyane. Et là, mon erreur est sûrement ici, première fois que j'atterris à Chamonix. Du coup, ben forcément, j'ai fait une petite merde à l'atterrissage. Mais quand on débute, de toute façon, dans une discipline, si on sait tout faire d'un coup et qu'on est bon d'un coup, ben ça a pas de saveur. Donc personnellement, j'assume, hein, je me suis totalement loupé, c'est totalement de ma faute. Mais bah, écoutez, je me suis rien cassé et j'ai touché personne. Donc c'est le principal. Mais vous allez voir. Allez, décollage de l'aiguille du midi avec Jean et Ludo. Pardon, pardon. Le fait qu'ils disent que ça tourne, c'est toujours chiant, hein, Jean V, ça. Hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Wouh, ça fait tellement plaisir de revenir ici. Hop là. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment pas loin, le déco. Bon, bah les gens, vous avez compris. On est à l'aiguille de midi, 3800 mètres. On descend à 3006. Et le but, c'est de décoller, aller à gauche derrière tout ça. Survoler la mer de glace, comme on dit. Qui perd de son nom de mer de plus en plus. On va se mettre à gauche, vous inquiétez pas. Allez-y. Hein. C'est bon, toi. Hop là. Allez les gens, ça va être un vol, mais tellement beau, tellement hâte. Wouhou! C'est trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ah grave mec. Ah la montagne. Allez hop 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 hop, wouhou! Vous allez voir les gens, on enlève les crampons et puis il faut courir parce qu'il faut passer au-dessus d'une crevasse et une fois que t'es en l'air, plein kiff. Plein kiff. Mon blanc du tacu, mon maudit, mon blanc. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Les gens décollent ici. Et là, je suis pas sûr que t'en aies besoin, mais... Bon, les gens, la voile est mise. Et bah, du coup, il faut y aller. Premier vol au-dessus des glaciers, premier vol autour de la mer de glace. Ça va être trop stylé. Vous allez voir, en plus, j'ai plein de nouveaux plans pour le parapente. Let's go.
Bon vol. Let's go. Nickel. Ok, 1, 2, 3. Ok. Wouhou. Nickel. Au-dessus des glaciers, Théma. Allez, putain! C'est trop stylé! Wouhou! Bon, les gens, le vol de l'aiguille. On est à 3600 mètres, on a dû descendre un peu. On est au-dessus de la mer de glace. Putain, hé! Le parapente, c'est la vie! Ça, c'est vraiment une petite vidéo cool, mais c'est la vie. Est-ce qu'on irait pas se rapprocher des rochers? On va se rapprocher des rochers. Yeah. Allez, on fait un tour. Yes, aïe. Bon, là c'est la mer de glace. Oh putain, ça a tellement réduit déjà depuis que j'y suis allé. On va dire bonjour aux gens là, regardez. Il y a des gens en bas. Je vais tarter, hein. Ok. Regardez la vue avec le Mont Blanc là. On est passé. Le Mont Blanc là en face, là c'est le dôme du goûter, on voit pas le Mont Blanc. Il est juste derrière, on va aller le voir. C'est tellement beau. Profitons-en, regardez-moi ce Mont Blanc. En vrai, il me fait un peu peur cet terreau. On a l'impression que c'est large, mais. Pas tant que ça. Hein. Ok, allez, dis-moi que je vais bien atterrir. Ce serait beau quand même. Faire l'atterrissage correct. Nickel. Pardon. Et voilà, vous l'avez vu, le petit crash était peut-être impressionnant, mais en vrai, je l'ai plutôt bien vécu en tant que personne. J'espère juste que j'ai pas fait peur à la voiture en dessous. En vrai, c'est vraiment impressionnant, hein. On se rend pas compte, j'aurais pu m'exploser ou exploser quelqu'un. Mais ça s'est bien passé, et depuis, j'ai vraiment, mais genre, fait que ça. Là, c'était mon 35e vol à peu près. J'en suis à plus de 40, je me suis vraiment entraîné beaucoup plus sur l'atterrissage. Donc comme quoi, c'était un petit rappel à l'ordre. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. La prochaine, c'est une grosse vidéo sur un sommet à plus de 4000 mètres du coup. Insane, les images qu'on a réussi à faire sont trop belles, trop contents. Et en plus, c'est vraiment une vidéo importante parce que cette année, je vais vraiment en faire énormément. Donc j'espère que vous allez suivre ça avec attention. Allez, dans tous les cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de likes. Je veux le plus de likes possible parce que je sais pas si ça vous plaît vraiment le parapente en vidéo. Donc dites-le moi, c'est à vous de me le faire savoir. Merci aux tipeurs, vraiment vous êtes les boss. Sans vous, vous le savez, compliqué de continuer à produire des vidéos sereinement. Et écoutez, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde,